que mon Dieu levé. Et leva nos figures. Nos figures. Nos figures. Aïe aïe aïe. Nos figures. Seigneur, fais nos figures. Fais nos figures. Vos têtes. Vos têtes. Dis Seigneur, fais nos figures. Dis Seigneur, fais nos figures. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, salut. Nous contents, il dit bon Dieu merci pour grâce l'effet nous pour nous capables de retrouver nous encore une fois à la table de la parole pour recevoir les instructions du Seigneur. Nous espérons jusqu'à présent un amour béni avec série de messages ça sous somme 23. Nous encourager ou partager avec 11 amis, oui partager avec une famille et la va pour lui-même une source de grâce et de riches bénédictions. Déjà, nous souhaitons bonne audition et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Agis le charisme. Agis le charisme. Nous n'avons pas oublié que c'est toi qui es la puissance, qui est la force. C'est toi qui es la source. Nous ne l'avons pas oublié, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Agis le charisme. Touche des cœurs. Guéris des âmes. Délivre les âmes. Guéris les corps et les esprits. Et fais-nous grâce, car nous comptons sur toi. Dieu Père, je t'appelle. Dieu Fils, je t'invoque. Dieu Saint-Esprit, je t'interpelle. Have your way and speak to us. In Jesus' name we pray. Let everybody say, Amen. Thank you, Lord. Psaume 23, verset 5. La première partie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, l'amitié est l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Mieux que toute autre interaction sociale, elle crée un espace d'échange et de partage où toute la gamme des émotions est accueillie. En amitié, on ne partage pas seulement ses joies, mais ses peurs aussi. On partage parce qu'on se retrouve dans l'autre. On partage parce qu'on est rassuré. Aristote disait, l'amitié, c'est une âme en deux corps. De fait, tout le monde qui fait expérience ami, bon ami, admet que c'est une très belle aventure. C'est une très belle expérience. Tout le monde, à quelques rares exceptions pathologiques, aimerait avoir de vrais amis, des amis loyaux, discrets, honnêtes et généreux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Qui que vous soyez, à tort ou à raison, vous aurez des ennemis. L'ennemi, par définition, c'est quelqu'un qui vous vaut du mal, qui souhaite votre malheur. C'est un agent de haine et d'action nuisible. Un ennemi ne désire jamais le bien de l'autre. Toutefois, sans le vouloir, mieux encore, sans le savoir, il, ou plutôt l'ennemi, contribue au bien-être du sujet haï. La majorité des gens redoutent le fait d'être en inimitié avec les autres, d'avoir des ennemis. Comprenez toutefois que ce n'est pas toujours mauvais d'avoir des ennemis. De fait, il est bon d'avoir des ennemis. Me dit il est bon pour un monde qui est ennemi. Et me dit il n'est pas toujours un mauvais bagaille le monde qui est ennemi. Pour qui raison ou dit ça? On a besoin qu'on ait que les ennemis vous gardent en éveil. L'homme naturellement tend à croire, à se laisser aller à des jeux de confiance. Il n'est pas inné chez l'humain de vivre dans la méfiance. Yo ti moun qui pas traumatisé ou sans traumatisme, li fait confiance facilement. Il espère le meilleur des autres, il espère le meilleur du monde, jusqu'à ce que la vie apprenne que la terre peut être un endroit bien hostile. Ce n'est pas tout le monde qui veut ton bien, qui pardonne aisément, qui aime librement et qui célèbre ton succès.
Gen moun kap rayi ou, ou pa bezwen fè yo anyen, ni ou pa bezwen di yo anyen de déplacer. Ils ne t'aiment pas et ne t'aimeront jamais. Their goal is to take you down, to make you fall. They'll hide their motives. They'll watch you closely. They'll calculate their moves and wait for the right moment to strike. When you have enemies who are after you, you stay on your guard. You watch your back. When you have enemies, you are vigilant because vigilance can mean the difference between life and death. Cette leçon ça m'a ba aujourd'hui a, li capable on jou sauver la vie ou. Apprendre que en a fait pas dormir. Les ennemis vous gardent en éveil. Deuxième bagaille ou a besoin qu'on ait, les ennemis vous rendent efficace. Johann Wolfgang von Goethe, poète, romancier, dramaturge et homme d'État allemand, fit la déclaration ci-après. Nos amis nous montrent ce qu'il faut faire. Nos ennemis nous forcent à faire ce que nous devons faire. Contrairement à nos amis, nos parents et nos proches, les ennemis ne pardonnent pas. Il n'accorde pas de grâce. Il ne donne pas de deuxième chance. Tu commets une erreur, tu es cuit. Tu dis une parole qui prête à équivoque, ils la prennent du mauvais côté. Tu fais une négligence, ils te sautent la tête. Tu fais une exagération, ils alimentent le feu et te feront pendre au marché de l'opinion publique. When you have enemies, you measure your words. You dot your I's and you cross your T's. When you have enemies, you are extra careful. You think twice. You explore your options. You go steps ahead. You do not only think about what you are doing, but you are also thinking about the consequences of what you're doing. You leave no room for mistakes. Là où nous travaillons, où qu'on est, superviseur a parlé well, livre les révoqué. Tu es ponctuel. Tu es productif. Tu es pointueux, tu es focalisé, tu es sérieux dans ton travail. Tu t'assures qu'il ne trouve chez toi aucune négligence ni légèreté. Et conséquemment, tu deviens efficace et efficient. Les ennemis vous gardent en éveil. Les ennemis vous rendent efficace. Troisièmement, avoir des ennemis est souvent un indice de succès. Stay with me now. En économie, il y a un concept qui aurait la rareté. Les Américains l'appellent scarcity. La rareté désigne la difficulté de trouver une chose. On dit qu'une chose est rare quand elle existe en faible quantité ou sous forme d'exemplaires en nombre limité. Dans presque toutes les sociétés du monde, il y a des ressources limitées. Et cette rareté de ressources crée une atmosphère de compétition où les gens se battent pour avoir le bien désiré. Cet état de choses les créait en deux catégories. Catégorie des perdants et catégorie des gagnants. Les perdants s'en prennent aux gagnants et les gagnants luttent pour développer une catégorie de super gagnants. Et la réalité de la jalousie s'installe. La réussite a ses avantages. Elle vient avec des choses, auto, boulot, maison, prestige, influence, argent, loisirs, nourriture, vêtements, des choses que tout le monde t'a aimé gagner. Quand une personne n'a pas ces choses, elle est capable de devenir facilement jaloux de monde qui possède au Hawaï parce que le succès des uns est souvent perçu comme l'échec des autres. Le jaloux est quelqu'un qui veut ce que tu as parce qu'il ne l'a pas ou parce qu'il en veut plus. L'homme jaloux, son bagage ou gagné, livre ou bien son bagage ou gagné, li pa vle gagne livre plus de lui. Un bon ami en France qui dit, Pasteur Johnson, tu ne comprends pas. Quand ou bien on nous dit, au monde gon bagage li t'a perdu, loi pour saisir pour ouais. Même moun ki te jaloux de li yo, kounya yo vin sympathiser avec elle. Why? Parce que ça il te gagne, li pa gagne encore. Y a moun ki raillou tout simplement parce que tu as réussi.
Il n'y a pas besoin qu'on ait qui misère au passé, qui sacrifice ou fait, combien de pages de l'eau ou traversé. Ils sont dans la vallée et ils veulent que vous y restiez avec eux. Ils ont dit comme ça, la misère remet compagnie. Ce matin, je suis venu déclarer ta délivrance au nom de Jésus. Matin, je suis venu déclarer ta grâce. Je suis venu déclarer ta percée. Je suis venu déclarer ta sortie. Je viens là matin pour me dire que tu ne resteras pas toujours dans la vallée. Tu n'y resteras pas toute ta vie. Tu n'y resteras pas tout le temps. Je viens là matin pour me dire qu'on joue bon Dieu à méthode. Hey, bon Dieu à méthode dans la vallée. Ou pas prêter dans la misère tout le temps. Ou pas prêter dans le feu noir tout le temps. C'est pas tout le temps ou prêter dans l'ombre blanc. C'est pas tout le temps ou prêter dans l'obscurité. C'est pas tout le temps où apprêter à mentir. C'est pas tout le temps où pas gagner. Je viens de matin pour me dire, dans le nom de Jésus, où ap sorti dans l'obscurité, où ap sorti dans les ténèbres, où ap sorti dans le feu noir, où ap sorti dans le sein, où ap sorti dans le problème, où ap sorti dans le tourment, où ap sorti dans la tête chargée, où ap sorti dans la maladie, où ap sorti dans la misère, où ap sorti dans la honte, où ap sorti dans le problème, où ap sorti dans la persécution, au nom de Jésus. De Nazareth, comment c'est fait chaque la chaud? Comment c'est fait chaque la chaud pour moi? Vont d'être dit et puis tout dit m'a sauté. Hey, comment c'est fait chaque la chaud? Comment c'est fait chaque la chaud? Maman, vont d'être et puis tout déclarer m'a sauté. Déclarer m'a sauté. Dis m'a sauté dans la persécution. M'a sauté dans l'autre là. M'a sauté dans le problème là. M'a sauté dans la misère. M'a sauté dans la maladie. M'a sauté dans le problème là. M'a sauté dans tête chaleur, m'a sauté dans tourment, m'a sauté dans serre, m'a sauté dans feu noir, m'a sauté dans obscurité, m'a sauté dans ténèbres. Voyons tête, dis m'a sauté, dis m'a sauté, dis m'a sauté, m'a sauté. Que mon Dieu mette au dehors, ou même qui a suivi, programme ça, ou même qui a donné le message ça, qu'on a donné en direct. Ou bien qu'on vient pour t'aider dans notre différé. Pour déclarer que mon Dieu m'est donné. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ou pas prêter dans la vallée pour tout temps. Ou à sauter. How do I know that? How do I know qu'on a sauté? Verset 5 l'an dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ou à point marquer, à partir, c'était oui, mais besoin, attention pour suivre ce qui a passé là. Ou à point marquer qu'à partir du verset 5, le propos ou le langage de l'auteur est intensifié. La métaphore change, le vocabulaire du texte aussi. Au lieu de pâturage, auteur a utilisé maison. À la place d'eau paisible, il parlait d'une table. Donc, à la symbolique du Dieu berger, David ajoute celle du Dieu hôte. H-O accent circonflexe T-U. What is that, pastor? Your hôte. C'est un nom masculin qui désignait une personne qui donne l'hospitalité, qui reçoit dans sa maison. C'est donc un maître de maison. La chronologie du texte n'est pas claire, mais la progression est parlante. Après avoir traversé la vallée, David plaçait tête-lui dans une maison que lui relaie au verset 6, la maison de l'Éternel. Et premier bagage, il dit, mon Dieu, fais. Il dit, mon Dieu, dressez. Une table pour lui. My God. Une table, c'est un meuble avec une surface plus ou moins plate qu'on utilise à des fins multiples. Please notice the purpose of the table. It is not a conference table where people come to discuss what they will do. Whether they will vote for or against a project. I would have you notice, it is not a study table where students come to learn and prepare for their exam. C'est pas une table d'opération côté médecin
et tant de maladies pour faire opération. Table auteur a parlé son table mon chita pour manger. Auteur a dit que Dieu dresse la table. Le mot hébreu pour dresser c'est arak et mot ça signifie littéralement arranger, préparer, mettre en ordre, aligner. Ce mot apparaît en Juges 20:22 pour exprimer l'idée d'ordre. Ils ont utilisé le mot ça dans Juges 20:22 pour parler comment soldat ranger en armée les opérer dans la guerre. So understand, this is not a messy table. Gen yon science derrière arrangement table là. Gen yon intentionnalité derrière table là. L'idée qui est dégagée dans le texte, c'est que c'est pas une table ordinaire, son table garnie. The King James Version renders it this way. Il dit, thou preparest a table before me. The Good News Translation says, you prepare a banquet for me. The Contemporary English Version says, you treat me to a feast. Ça veut dire, ça qu'a fait là, c'est pour jouer lié. Son banquet, son fête, son bamboche, son gagote, table là, c'est un table qui prépare avec soin. Il y a dans le texte une question implicite. Ça aurait en anglais an unstated question. We know what is being prepared and who is preparing it. We also know for whom it is being prepared. What we don't know is when God puts David on the table. Tenez, it may be pour moun qui qu'on a le fait ou bien qui qu'on chita sous table gani, gen deux là tout au moins on met moun chita sous table. Des fois, yo kon met au chita sous table là et puis tout, y a poté manger ba ou yon après l'autre. Are you with me? Lo al non restaurant, you place an order, yo a préparé et puis tout yo poté pour sous table là yon après l'autre. Mais gon deuxième façon de faire ça tout. Yo di nou a fini ranger table la net et puis tout yo relé pour vin chita. I do not know comment ça fait. Comment bon Dieu te fait parce que texte l'a pas dit. But I imagine that if God were to set the table before he calls David to sit on it, the enemies were watching God sets it. Texte l'a pas dit qui qualité manger. Bon Dieu te met sous table là. Moi imagine, ennemi au gardé, yo est l'éternel, met salade. They watch God put collard green on it. They watch God put cornbread on it. They watch God put mac and cheese on it. I'm talking African American. Let me talk Jamaican. They watch God put some rice and peas. They watch God put some dumpling. They watch God put some ake and swordfish. I'm talking Jamaican. Let me talk Haitian. They watch God put chili, sauce bois, legume. Yo watch bon Dieu mette banane pesé, akra, marinade, pickles, patate, yam, malanga, tayo, Tom Tom, ananas, mango, fraise. Et puis tout pendant yon gade, yon est bon Dieu à mettre. Chaque sa bon Dieu fin mette. Yon pense bon Dieu fini. God put yet another dish. Chaque sa bon Dieu fin mette. Yon pense bon Dieu fini. God put yet another dish. Et puis tout ennemi yo qui pas kon pou qui est. Ennemi yo qui pas oué moun chita sous table là. Ennemi yo pose question. Yon mande pour qui yes, bon Dieu a préparé table là. Et puis tout c'est gardé, regardez. Yo on m'a fini.
Yon nom apparaît. Et puis tout à l'heure, ou qu'on est l'autre mon fille, ou mène dans le restaurant, ça c'est bête, ma bas monsieur, oui, n'est-ce pas qu'on marie, ou bien n'est-ce qu'on marie, comment vous gérer les femmes, ou qu'on est là, ou mène nos filles dans le restaurant, ou pas quitter ces filles, qui râle les chaises là, ou camper des, ou râle les chaises là, et puis tout fille à camper, et puis tout pousser le fille à chita, et puis tout regarder, y'a le ciel, y'a mon Dieu, prends chaise là, et puis tout regarder, y'a ouais mon Dieu, râle les chaises là. Et puis tout David, chita sous chaise là. C'est pour David. Bon Dieu préparez chaise là. C'est pour David. Bon Dieu préparez grosse bagaille ça. C'est pour David. Bon Dieu préparez fester ça. C'est pour David. Bon Dieu fait grosse bagaille ça. Je dis c'est pour David. L'Éternel fait miracle ça. Et pendant David chita sous chaise là, je dis David, bon font écoute mon fouet. Et puis tout David dit, try as long as you can. Et puis tout me chita sous table là, en esprit. Et pendant que je chita sous table là, en esprit, je me prépare pour manger. I noticed something strange about the table. I noticed that the table has a mouth. And the table begins to speak to me. The table tells me three things. Tabla dim trois bagay. Est-ce que m'ka dou ki trois bagay tabla dim? Premier bagay tabla dim. Tabla dim que God will bless me in spite of what the enemies think. Tabla dim, bon Dieu a béni quel que soit sa ennemi au pensé. Ou ka senti dans texte là? La détermination de Dieu pour faire du bien. Le soin que le Tout-Puissant met à préparer la table est choquant. That the great God of the universe would serve me is beyond comprehension. God is determined to bless me. God is determined to prosper me. God is determined to elevate me. God is determined to do things for me, my God. God is determined pour capable mener na hauteur pa ta chambre penser. And God says, I'll bless you in spite of what your enemies take. And they cannot stop me from blessing you. Frère Taylor, c'est qu'on dit, ça moun dit, pa ka fait bon Dieu changer avec. Bouche moun pa ka empêcher bon Dieu bénir. Bouche moun pa ka empêcher bon Dieu monter avec vous. Bouche moun pa ka empêcher l'Éternel sauver vous. Bouche moun pa ka épouser l'Éternel élever vous. Jalousie moun pa ka arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Bible a dit, table a parlé avec moi. Et table a dit, God will bless me in spite of my enemies. Gon deuxième bagaille table a dit, table a dit that God will vindicate me. Texte a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il y a une version qui dit, you treat me to a feast while my enemies watch. The Good News Translation says, you prepare a banquet for me where all my enemies can see me. The NET Bible says, you prepare a feast before me in plain sight of my enemies. En d'autres termes, ça bon Dieu a fait, c'est pour un bagay qui caché. C'est pour un bagay moun pa ka wè. Everybody will see it. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bon, dis-le encore. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Une question, let me say it again. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses, c'est l'action. Devant moi, c'est la position. Une table, c'est la provision. En face, c'est la provocation de mes adversaires, c'est malgré l'opposition. Ah,
Let me say it again. Tu restes, c'est l'action. La position. Une table, c'est la provision. En face, c'est la provocation de mes adversaires malgré l'opposition. Bon, dis-le encore. Tu restes, c'est l'action. Devant moi, c'est la position. Une table, c'est la provision. En face, c'est la provocation de mes adversaires, c'est malgré l'opposition. Résumé. L'action de Dieu me positionne dans la provision pour faire une provocation malgré l'opposition. Bon, dis-le en anglais. God's action positions me in the provision as a provocation to the opposition. En d'autres termes, ça ou pas de vlea, c'est lié. Vous pas de vlo résider ou résider. Vous pas de vlo marié ou marié. Vous pas de vlo diplômé ou diplômé. Yo pas de vouloir arriver ou arriver. Yo pas de vouloir embaucher ou embaucher. God says, me dit mon Dieu, why? God, why do you have to position me where the enemies can see me? Bon Dieu, t'es qui doit dresser table là pour moi côté moun pa ka wèm. Bon Dieu, t'es qui doit dresser table là pour moi entre quatre murs. Mais bon Dieu choisit pour dresser table là devant ennemi. In their sight. No. That reminds me when I used to be a young man and I used to play basketball. I used to like Michael Jordan a lot. And when I was playing and I would make a good move, I would say, Michael Jordan in the air. Et là, m'fait shoot la basket là, li réussi. Et puis tout basket là entré, I would say, in your face. Et puis tout m'tende bon Dieu qui dit, I will give you a blessing in their face. M'bral bon bénédiction en figure. M'bral levé en figure. M'bral élevé en figure. Ça m'bral faire, m'a fait dans figure. Grâce m'bral bail là, m'a bali dans figure. L'Éternel dit comme ça, raison qui fait mettre table là, côté mettre là, c'est pour yo même honorer yo, c'est pour yo même élever yo, c'est pour yo même s'en aver, c'est pour yo rendre yo compte. Yo pas qu'à stop moi pour m'pas blesser. Yo pas qu'à camper pour m'pas aller côté m'vle aller avant là. I'm going to do it. In their face, que mon Dieu bat en bénédiction. In their face, que mon Dieu bat en promotion. In their face, que mon Dieu bat en révélation. In their face, que mon Dieu faut réussir. In their face, et puis tout vos textes disent Seigneur, fais. In their face, c'est pour faire, c'est pour même bouche qui te dit pas t'apprendre, regardez pour même sortir en bagaille. C'est pour même bouche qui te dit pas chambre rivière, regardez pour ouais que me river. C'est pour même bouche qui t'a humilié, même regard qui t'a méprisé. Qu'on y a pour ouais, yo obligé lever tête yo pour regarder et les ça y a la reconnaître destinée mon. Pas nommer les hommes, élévation mon homme, pas nommer les hommes, côté ma privé, pas nommer les hommes, pas capable d'empêcher mon Dieu bénir, les hommes, pas capable d'empêcher mon Dieu délivrer, si on t'a empêché, c'est pas où t'as là, si on t'a empêché, c'est pas où t'as arrivé, à ce matin, fac, y'a fait complot, ou la pirette, y'a critiqué, ou la pirette, yo parlé ou la pirède, yo radoté ou la pirède. And God says, I'm going to bless you in their face. Il Seigneur fait le figure. Seigneur fait le figure. Fait le figure. C'est pour faire le figure. C'est pour moun qui te connaît, te respecte,
Kounia a gardé dans la télévision. C'est pour moun qui t'a pris milieu. L'air besoin de l'air. C'est avion pour yon prend. C'est appointement pour yon prend. C'est rendez-vous pour yon prend. Parce que mon Dieu levé. Élève. Non figure. Non figure. Non figure. Aïe aïe aïe. Non figure. Seigneur fait. Non figure. Fais non figure. Son texte. Voyons texte. Dis Seigneur fait non figure. Dis Seigneur fait non figure. In their face, in their face, in their face, no figure, fell 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 no figure, démontrez nos figures. Fais nos figures. Non, fais. Yeah. Bon Dieu, fais nos figures. Oui, fais pour moi. Bon Dieu. Non, Gen moun, frère Winley, Jean traite ou, li traite ou pi mal passé fatra, oui. My God. Gen moun ki kon humilié moun, oui. My God. Gen moun ki maîtrise l'art du mépris. Yeah. Gen moun nan, pour lui-même, ou pas jamais rien. Pour lui-même ou pas jamais rivé. Gen moun nan qui pensait ou a toujours couché devant cabane pour la descendre cabane pour ses jambes le jambon pour mettre pied sous. Gen moun nan qui pensait l'évangile la mauvais, oui. Ici nous gen toilette, il y a des gens qui pensent vase pipi a toujours été bon et tout. Parce que Haïti, il y a des gens qui descendent de la cabane. La trine dans l'idée, il y a le pipi dans le kit. Je me souviens grandement contre le pipi dans le kit. Et tout pendant le pipi dans le kit là, regardez un peu tout, même à terre couché sous le nat là. Il y a des gens qui pensent toujours à terre. Bobo kit pipi a. Et c'est ça qui fait me sentir pour me dire tout le monde. Fais attention, je vais traiter. Sac piba et pas soyo. Parce que bon Dieu, qu'on leve moun. Fais attention, je vais traiter. Mon serviteur bon Dieu. Fais attention, je vais traiter. Nèg qui gen onction. Fais attention, je vais traiter. Femme de Dieu. Parce que bon Dieu, qu'on leve moun. Éternel, dresse table là, dans figure, pour yon capable que bon Dieu qu'on nourrit, que bon Dieu qu'on élevé, que bon Dieu qu'on honoré, que bon Dieu qu'on démontré, révélé et exprimé son amour pour ses enfants. L'Éternel dit, si m'fèl entre les quatre murs, yo pap konnen comment me remè ou. Yo pap vive élévation. Yo pap wè jan m'ap honoré ou. Yo pap wè comment m'ap monté avec ou. L'Éternel déclare que la fèl nan figure. Moun ki te konn fò malhonnête pour manger. L'Éternel a fait, on l'a ouvert la caillou. Pour yon wè que frigidaire tellement plein, qu'on tellement surnourri, ou obligé faire diet.
God will do it. God will do it. Je ne vais pas dire en haut chez ça. Je ne vais pas dire non. Parce qu'il a fait trop de monde mal. Mais moi-même, c'est l'église qui fait malhonnête pour manger. Moi-même. Je fais malhonnête pour manger. Et apprendre ça. Si vous ne faites pas de jambes, vous faites malhonnête pour laisser manger. Parce que le monde mange, c'est grand goût, grand goût. Mais c'est l'église qui fait malhonnête pour manger. Moi-même. Et puis, vous me gardez, je ne dis pas. Moi, le Seigneur, dresse son table devant moi. À toute qualité, bataille sous lui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses, c'est l'action. Une table, c'est la provision. Devant moi, c'est la position. En face de mes ennemis, c'est malgré l'opposition. Bon, me dis bien beaucoup. Tu dresses, c'est l'action. Devant moi, c'est la position. Une table, c'est la provision. En face, c'est la provocation de mes adversaires, c'est l'opposition. In other words, God says, the blessing I'm going to give you will provoke your enemies. L'Éternel dit, m'pral bon bénédiction. Bénédiction, ça m'pral ba ou al pral servi de provocation. Et puis tu me demandes comment ils font provocation. Pas jamais les m'pral de là. Yon nan bagay pour pas jamais faire sous moun. Ou bien sous obligé. Attendez, même sous ta obligé faire, pas faire. Pas jamais manger sous moun. Son pas offrir. Plutôt c'est lui qui dit non. Mon offril. Raison. Parce que j'ai mangé tellement senti bon. Sent li seulement prend. Bouche ou fait salive. I'm going somewhere. Me dit son provocation, c'est parce que non seulement table belle, mais bon Dieu dressé table pour un seul monde. So while David is eating, his enemies are watching. They watch him eat. They see the food. They smell the food. But they can have none of it. Yo prends cette manger. Yo va manger. Bouche yo a courir de là. Et puis même si tu as sous table là. Ouais, Simon. Pour comprendre ça m'Abdoula là, faut être Simon, oui. Simon, bon façon, ouais Simon, gamba ou pas j'aime faire Simon. Là où on grand monde qui le Haïti comme ça m'a dit là. Là où on grand monde a manger son Simon ni pas bali, il pas veut bali. Il fait tant qu'on pas ouais Simon là. Moi me tait Simon, les malimbé me besoin manger. Et puis tout moi grand papa m'a manger, ça me fait me camper en diagonale. Frère, il y a quelque chose à me dire là. Est-ce que vous avez côté Miaël de Jacob? Premier, vous avez côté Miaël là. Où ça m'a fait? Ou camp en diagonale. Ça veut dire, ou pas camper trois près grand monde pour ne pas jouer au vicieux. Mon camp est en distance. Pour grand monde qui est et puis tout, même côté là. Et puis tout, ou pas juste camp en distance, non? Ou pas bail plat manger à contrôle. Pour un qui distance grand monde dans une assiette là. Et là, regarde, grand monde dans une assiette là, papa. Jean grand monde dans une assiette là, le pape, qui t'en aime, qu'on a faut-il avancer. Ou commencez, faut-il avancer à la ouïe. À la, et puis tout, les grand monde dans jouer nous, et puis tout, les qui t'ont dit bagaille pour. Mais les grand monde dans le pape, bon, même, il baisse tête, il fait un coup de barre. M'imaginez, David baisse tête, il est sien. Et tout l'a frappé. David tue. David mange. David mange. David mange. Et bouche ennemie a fait salive. Nous table a dit, moun pa ka fait bon Dieu pas béni.
Ndi ou tabla di m bon Dieu a fò justice. Mais tabla di mon dernier bagay. Tabla di m bon appétit. Now understand, expression bon appétit a, c'est une expression française. Généralement, c'est lorsque on moun fin fait manger ou bien deux moun pral manger et puis tout yo chita à table avant on commence à frapper. Moun, on nous dit, gon chef qui a fait manger, li fin met toute énergie en dedans manger ya. Li fin met toute ressource li en dedans manger ya. Li fin met toute bagaille li en dedans manger tout met manger à devant. Avant on manger, li seulement dit yo bon appétit. Maintenant tout moun qui connaît comment pour vivre à fond reconnaître que plus gros dérespectant ou café en femme, c'est lorsque fille fin prend chaleur, lui fait manger et puis tout le mettel devant ou pas manger. Même si manger a salé, descendez. Même s'il fade, descendez. Les femmes c'est sous mari yo vinn fòdan manje. Yo tellement fèl droite et gauche pendant longtemps qu'on y a vinn habitué fèl bien. Hein? D'accord, pour femme nan fè expérience sou. Et là, chef la fin fè manje a, li dépose l devant moun nan. Sak bal satisfaction c'est les moun nan manje. Ah! Non! Gen moun ki pa manje. Watch this. C'est pas parce que le pas grand goût, mais c'est parce que il y a souci. I'm almost done. Get ready to sing for me aso. Me dit gen moun ki pa manger, c'est pas parce que le pas grand goût, mais c'est parce que il y a souci. Gen moun non gen droit li sou table la manger et puis tout camp ou la calculer. Ça go calculer. Et je ti moun yo m'a besoin Haiti oui. Je vois. On va songer ti moun yo Haiti. Mon en tête ou gon plat diri devant ou pas descendre ni quand on a besoin de force pour aller travailler. On va songer ti moun Haiti. Moi je l'aime vinn manger ma zone. L'aime fin descendre, l'aime fin descendre, l'aime fin plein vote moi machin yo. Mais pendant me demande de dire m'a descendre moi, yo n'a pas madame moi connaît. Madame moi connaît pi mauvais moment pour le persécuter me selem devant assiette moi m'a manger. Je voulais manger en paix. I'm taking you somewhere. Mais si vous ne faites pas attention, vous êtes bien. Si vous ne faites pas attention. The hardship of the road, the pain of the journey, can remove your appetite. Je vais me dire ça encore. Si vous ne faites pas attention, mauvaise expérience ou faire, les mésaventures de la vie, qu'a fort perdu appétit. Il me tendait mon Dieu qui dit, you will not waste my food after I've put so much effort into it. Aïe, aïe, aïe. Me tendait mon Dieu qui dit, mange me faire le pas gaspiller. Mets toi effort là-dedans. Enjoy your blessings. Aïe, aïe, aïe. Les m'a essayé chercher une application christologique à question ça, une table qui est dressée devant moi en face de mes adversaires. Et puis tout me penser à what God did for me. Me penser qui sacrifice Jésus fait pour me côté pour me chita côté me chita. Moi penser comment Jésus descend sous la terre, lui prend la forme d'un enfant, lui monte à la croix. Il a connu la galère. On l'a crucifié. On l'a humilié. Il a jeté sous lui toutes sortes d'injures et de crachats. Et puis tout Jésus gardé en 2021 dans la cour Floride, en dans Sinaï, t'as qu'on serviteur, il y aurait les
Chansan César qui t'a pour parler sous ça. Entendez, il descend de la croix. Si tu es le fils de Dieu, et Jésus dit, je ne descends pas, je dois y rester. Parce qu'il y a une table qui doit être dressée. Il y a une bénédiction qui doit être accordée. Il y a une percée qui doit être donnée. Qu'on grâce femme Bailey. Et vous m'entendez, Jésus était, lui humilié, lui souffrit. He bled and he died. Et puis tout le monde a dit, ma death could not hold him, a grave could not keep him. And on Sunday morning, on Sunday morning, Jesus came back from the death. Et puis tout Jésus dit, m'pas fin passer toute misère ça, m'pas fin faire tout sacrifice ça, m'pas fin prendre toute souffrance ça, pour me dresser en table devant vous, pour quitter bouche moun, faut pas manger, pour quitter critique, faut pas vivre en paix, pour quitter sa moun abdi, faut pas dormir. Bon Dieu dit, chita ba mwen, and enjoy the table. Chita ba mwen, and enjoy the table. Au cas où, on moun t'a demandé, qui dit message moi, matin, petit message moi seulement dit, enjoy the table. Ou bien en français, bon appétit. Enjoy the sins he forgives. Enjoy the restoration he gives. Enjoy the communion he offers. Enjoy the friendship he extends. Enjoy the peace that is yours. Enjoy the joy that you got. Enjoy the hope that he gives. Enjoy the promises he makes. Enjoy the gifts he bestows. Enjoy the abundance he secures. Enjoy the cares he provides. Enjoy the house he gives. Enjoy the clothes you wear, the family you have, the car you're driving, the friend that God gives you. Dimanger, manger yom, manger malanga, manger patate, manger poi, manger salade, manger tiri, sous manger poisson, la guerre est en falou, la guerre est en falou, la guerre est en falou. Enjoy the table. Pas quitter sa moun di ou faire triste. Pas quitter sa moun di ou faut décourager. Entendez Paul qui déclarait que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. The table tells me something about God. It says that God is determined to bless me. The table tells something about the enemy. It tells me that God will vindicate me. The table tells me something about me. It says, don't you worry about it. Enjoy the table. Sister Yasu is coming to sing. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Enjoy the table. And when she's done singing, quand elle aura fini de chanter, m'a venu pour me faire appel au salut et encouragement à la persévérance. Entre temps, que chance à rentrer dans l'amour et que le bénir dans le nom de Jésus-Christ. Telles des cicatrices que nous portons sur nos corps. Mais le Seigneur vous dit au matin, bon appétit. Cesse de pleurer. Let it go. Enjoy the table. You cannot enjoy the table when your eyes are on the enemy. You cannot enjoy the table when you keep thinking about what they did and what they said about you. You cannot enjoy your table while you look at other people's table. In fact, gon seul table ki gen an som nan, se mwen ki chita sou li.
Et m'entendez bon Dieu qui a dit, cesse de pleurer. Oublie-lui les torts qu'on t'a fait. Oublie les blessures, les mauvais propos, les paroles condescendantes, les gestes humiliants. Forget about them. Cesse de pleurer and enjoy the table. Jésus, bon table ça a un prix et que en rien pas faut pas juiler. Peut-être ou son monde pendant que t'entends là qui a crié, qui a saigné. Peut-être gon bagay on monde te fait, on bagay on monde te dit ou gon coup ou te prend. Gon trahison, quelque chose que tu portes encore dans ton âme, que tu portes encore dans ton esprit, un souvenir que tu gardes encore. Et m'entendez le Seigneur qui dit, cesse de pleurer. Marche avec la tête haute. And the final thing I want to share with you, le message de la table, the table tells me that I am compensated. That's what the table says. I am compensated. Si m'ta vle di nan langage américain, m'ta di, I have received double for my trouble. Let it go. Let it go. What your mama did, what your mama did, what your daddy, what your father did, let it go. What some men of God said and did, what some pastors said to you or about you, what some pastors said to you and about you, let it go. Let it go. You cannot enjoy the table while you keep thinking about them. Let it go. And enjoy the table. Peut-être que vous avez besoin de la table pour accepter Jésus. Table, ça, son table qui est préparée seulement pour les gens qui connaissent Christ. Son table, bon Dieu, préparée en Jésus. Pour jouer table, il faut accepter Jésus. Peut-être qu'un jeune garçon, jeune fille, captandem, qui pour jamais accepter Jésus. Nous espérons que nous avons été bénis par le message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir le ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens former monde édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore nous laguons dans deux plans mes papa bon Dieu et nous dit bon Dieu remet nous remet tout bye bye.